Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cocard ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton ? Non. La reine Béatrix ? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. C'est la voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Troscan. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine. C'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes. Et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élection américaine, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé Groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne d'Avignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu ces personnes-là. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela... À deux pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé.